Bien gérer son argent est une nécessité, surtout quand on n'en a pas beaucoup. Ça consiste à anticiper ses dépenses et prévoir les ressources pour les payer. Ainsi, on détermine de quelle façon on va dépenser son argent ou au contraire, ne pas le dépenser. Dans un tableau ou sur le simulateur des clés de la banque, note d'un côté les ressources, l'argent qui va rentrer et sur lequel tu peux compter ce mois-ci, salaire, argent de poche. De l'autre côté, note les dépenses, l'argent qui va sortir dans le mois. Les dépenses qui sont fixes ou difficilement compressibles, comme l'habitation, les assurances, le téléphone, les transports en commun. Les dépenses variables ou compressibles, l'alimentation, les vêtements, l'essence. Et les dépenses occasionnelles ou facultatives, comme les loisirs ou les cadeaux. Une fois le mois écoulé, compare tes prévisions avec ce qui s'est réellement passé. Pour le mois suivant, ajuste si besoin et fais attention. La différence entre tes ressources et tes dépenses, c'est le solde. C'est ce qui te reste en fin de mois ou ce qui te manque quand tes dépenses dépassent tes revenus. S'il te reste de l'argent, tu peux en mettre un peu de côté pour financer des projets ou pour faire face aux imprévus. Mais si tes dépenses sont trop importantes par rapport à tes ressources, tu dois prendre d'urgence des mesures pour rétablir la situation. Réagir vite te donne plus de chances de trouver une solution facile à mettre en œuvre. Va voir ton conseiller bancaire pour en parler avec lui. Pense à prévenir les personnes à qui tu dois de l'argent quand tu as des difficultés passagères. Ainsi informées, elles seront sans doute plus indulgentes et accepteront peut-être plus facilement un délai de paiement.